Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Pokémon, les amis, vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, clairement les gars, je suis un gosse, clairement, bah comme, en vrai, comme tout le temps, à chaque fois que je fais des vertus Pokémon, mais un petit peu plus, pourquoi? Regardez, déjà j'ai ça, frère, j'ai l'impression vraiment, c'est Noël, j'ai 11 ans, du coup, bah voilà, c'est quelque chose qui comporte du Pikachu, vous voyez là, ensuite, un autre paquet, et ensuite, l'abonné, le frérot sur le boss. Un abonné m'a offert ça. Donc en gros, c'est un deck avec, encore une fois, un Pikachu qui brille, et un autre truc, avec un Pikachu catcher, gros. Et ensuite, il m'a offert des petites boîtes. Voilà, c'est des petites boîtes avec des boosters dedans. Du coup, bah aujourd'hui, clairement, les gars, on va ouvrir nos cadeaux de Noël, on va voir ce qu'on a dedans. En tout cas, on a du Pikachu, ça fait plaisir. On va les regarder en détail, le visuel de ces Pikachu qui sont de toute beauté de ce que je vois. J'espère que vous avez kiffé, c'est le cas, on n'oublie pas quoi, le petit pouce, les abonnements, les commentaires. The body. Le créateur Valouz, les gars. Je sais pas par quoi on va commencer, les amis. Je pense qu'on va garder les cadeaux des abos, enfin de labo, parce que c'est un seul labo, à la fin. Et je vais ouvrir d'abord les packs que moi j'ai acheté. Celui-là, les amis, avec ce Pikachu là, mais qui est magnifique. Je l'ai acheté juste pour le Pikachu. Hein. Et il y a 5 boosters, il me semble, dedans. Je l'ai payé 50 balles, donc ça fait presque 10 euros le booster, plus la valeur de la carte, plus des petites figurines. On va le décéder. Voilà. Je suis vraiment en train d'acheter des trucs pour enfants, les gars. Je suis complètement fou et matrixé, c'est pas possible, là. C'est quoi, ça? Quand je sais qu'il y a du Pikachu, les gars, je deviens fou. C'est 4 boosters, c'est pas 5, c'est 4 boosters. Donc, il y a du booster Clash des Rebelles, Soleil et Lune classique, Clash des Rebelles et Harmonie des Esprits. D'ailleurs, Harmonie des Esprits, j'ai une demi-display à ouvrir que j'avais acheté sur Vinted. Et la carte, le Saint Graal, elle est magnifique, bordel de merde. Un nouveau Pikachu à la collection. Vous êtes de plus en plus à me dire, ouais, Valouz, fais une vidéo sur ta collection, etc. J'attends, je vous l'avais dit, mais j'attends encore un petit peu d'en avoir, voilà, pas mal, histoire de vous présenter un petit peu tous mes Pikachu. Mais voilà, franchement, la carte, elle me fait penser un peu le Pikachu et Sacha qu'on avait eu, là. Elle est insane. Quand je l'avais vue, celle-là, j'ai fait waouh. Ça, c'est une de mes top coups de cœur niveau visualisation de la carte. Elle est incroyable, non? Ok, bon, des petites figurines qui sont collées. Ok, je pensais que c'était des figurines indépendantes, mais... Non, elles sont collées. Et ensuite, j'ai eu du coup du booster qu'on va ouvrir immédiatement en vitesse. J'en attends rien, mais on sait jamais. Hein. Je sais même pas ce qu'on peut avoir dedans et tout. Vas-y, là, ça, c'est du bonus. Hein. Moi, c'était le Pikachu que je voulais, les gars. Et l'ouvrir avec vous parce que, comme vous le savez, j'ai envie que ce soit dans des paquets de cartes ou même là, en promo d'un pack, d'ouvrir tout ce qui contient du Pikachu avec vous. Hop, le petit code. 1, 2, 3, 4. J'espère que c'est un 2, 3, 4 sur ce pack et on va pas se foirer comme la dernière fois avec le cadeau de David. Dédicace à toi, frérot. La dernière vidéo... Oh, ça brille, ça brille, ça brille, ça fait plaisir. C'était quoi, celui que j'ai ouvert, là? C'est Harmonie des Esprits. Ok, je sais pas ce qu'on peut trouver dedans, mais voilà. Et ce que je disais, ouais, David m'avait offert un cadeau, on l'a ouvert la dernière vidéo et c'était incroyable, voilà. Mais j'ai fail un petit truc. N'hésitez pas à aller check si vous l'avez pas vu, la vidéo. Énergie. Dodo à la... Oh, des barres. Oh putain, j'ai fait de la merde. Ok. Luminéon. Limonde. Oh, il est trop marron. Version laine. Regardez, j'ai un peu zoomé. Version laine. Oh, Exelangue. Krabicoque avec derrière Sulfura. Oh, il y a un Pikachu, les gars. Il y a un Pikachu bonus. Allez. Ouh, mini Draco en reverse. Oh là là, Mandrillon, frère. Je connais pas. L'évolution de V-Mini, je connais pas non plus. Ultra Chimère. Ah bah tiens, vous m'avez dit, vous m'avez répondu dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas encore une fois à me donner des infos, etc. si je pose des questions. Mais Ultra Chimère, en fait, c'est des Pokémon d'une autre dimension arrivés dans le monde Pokémon. C'est ça, si j'ai compris? J'ai cru comprendre ça, en tout cas. Ok, bah lourd. Bah, du GX. Les gars, clairement, on n'y attendait rien. Et c'est du bonus, on prend. Ça fait plaisir, hein? Ok, très bien. Et le petit Pikachu, là, clairement, ça fait plaisir. Booster Clash des Rebelles. C'est marrant, parce que du coup, il y a plusieurs collections. Ah, ils sont faciles à ouvrir, comme les voltages éclatants. Bon, il me semble que Clash des Rebelles, c'est de la merde. J'ai entendu dire que l'intérieur, voilà, c'était pas ouf. Il n'y avait pas des cartes de furieux à l'intérieur. Hop, on va regarder un petit peu. Dispareptile. Colombo. Sonia. Lixie. Charby, Verpom. Eh, pour moi, c'est pas Pokémon, là, c'est Digimon, gros. C'est quoi, ça? Bibichu. Oh, bah tiens! Mais je suis explosé, frère! Je suis mort de rire! Je te jure, j'ai commencé à faire une collection de cartes avec Pikachu dedans, mais pas en personnage principal. Trop bien! Lixie en reverse et les câbles. Ok. Deux packs bonus. Deux
Pikachu. Soleil et Lune. Ok. Soleil et Lune classique. C'est vrai que d'une collection à l'autre, les boosters, ils sont différents à ouvrir. C'est pas la même sensation. Le petit code, vous retournez votre écran comme d'hab. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et hop, les. Énergie. Lily. Mon chien. Ok. Sphéraptie. Au taquin. Toj Demaru. Et non, en fait. Tog Demaru, ça se dit apparemment. Tog comme Togepi, en fait. Encore une fois, c'est vous qui m'avez repris. Vous êtes les boss. Makuhita. Oh, Sucraine en reverse. Oh! Mais wesh, quel bail! Une nouvelle GX, les gars! Solgaleo. Je ne connais pas. Ah, c'est l'évolution de Cosmog et tout, là? Ok, c'est la grande évolution, apparemment. Une nouvelle GX, les gars, gratuit encore. Hein. C'est du bonus. On prend du bonus, du bonus. Une nouvelle à la collection. Et le dernier, du coup, de nouveau Clash des Rebelles. Tac. Hop, le code. N'empêche que je vous régale en code, les gars. J'y pense. C'est la régalade, là. Allez, énergie. Goltar. Oui, messire. Wesh, c'est quoi ça? Blizzy. Natou. Le sac à poubelle. Poichijon. Galvaran. Chenipan reverse. Ah, et Cisaiox. Il est beau le visuel. Bah, c'est fini pour ce petit coffret. Bon, coffret suivant. Celui qui m'intrigue le plus. Parce qu'il y a une Pokéball, frère. C'est quoi ça? Il y a même une sculpture Pikachu. Je te jure, mon bureau, il va se transformer en Pikachu au fur et à mesure. Là, je pense que c'est le plus gros colis que j'ai eu Pokémon. Hein. Là, quand j'ai ramené ça à la maison, Pidi, elle m'a regardé, elle m'a dit: t'es sérieux? Ah ouais, tu vas jusqu'à là dans ton délire? Je dis: bah quoi, il y a un Pikachu dedans qu'on peut avoir que dedans. Moi, bon, je le veux. En fait, c'est ça le problème. C'est que Pikachu est beaucoup utilisé dans la promo. Et du coup, il y a beaucoup de cartes Pikachu qu'on trouve que dans des packs. Parce qu'ils en font. Voilà, c'est les Pokémon mythiques et c'est comme ça qu'ils vendent du coup des produits, tu vois. Mec, j'ai une Pokéball. J'ai une Pokéball, gros. C'est trop marrant. J'ai une Pokéball, frère. Ça va finir dans mon décor. Ils sont où, les packs? Donc, Pikachu. Il est beau, hein. En holo. Ouais, franchement, il est pas mal. 2018, hein. Mine de rien, ça fait 3 ans, tu vois. Hop, Pikachu direct, vous connaissez, hein, les gars. On en prend soin, des Pika. Je l'avais pas dans ma collection, donc c'est parfait. Ah, il est franchement, il est joli, hein. Petit Pika. Ma Pokéball, ça, wesh. J'ai une Pokéball, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est une boîte, en fait. Comment on ouvre? Ok, je vais regarder après. Evoli. Elle est belle, la carte, hein. Putain, pour les collectionneurs d'Evoli, elle est belle, hein. Et avec une petite figurine, du coup, Pikachu Evoli. Il me semble que c'est peut-être sorti... Alors là, c'est une information que je vous donne en réfléchissant. Mais c'est peut-être sorti quand il y a eu Pikachu Let's Go et Evoli Let's Go, là... Le Pokémon qui est sorti sur Switch. Je sais pas, ça sert à quoi, en fait. Mais les boosters, ils sont où? Il y a des boosters. Ça s'ouvre. Ah bah voilà, les boosters, ils sont à l'intérieur. C'est une boîte, en fait. C'est une putain de boîte, les gars. Trop stylé. Ok, du coup, un code, déjà. Et dedans, on a du Tonnerre perdu. J'ai jamais ouvert, Tonnerre perdu. Lumière interdite, jamais ouvert. Gardien ascendant, jamais ouvert non plus. Et oh! Un XY évolution. C'est trop marrant. Bah ça, tu vois, j'étais pas au courant. Et ça, c'est du coup... David, ils sont abîmés. Hein. Mais David, il m'a offert du coup un XY évolution où on a eu... Je vous le dirai pas. Allez voir ma dernière vidéo. Mais putain, bordel, ils sont niqués par contre, les boosters. Ils sont carrément niqués. Mais allez voir ma dernière vidéo, justement, où j'ai eu quelque chose de très bien. Bon, on va commencer par Tonnerre perdu. Hein. Putain, je pensais que dans cette vidéo, j'allais la tourner en 2-2. Mais en fait, il y a blindé de boosters. Hein. Hop. Un petit code, voilà, voilà, 1, 2, 3, 4, hop, énergie, Kecléon, filet bol, blanche, tout à fait, cabriolène, le Vénard, il est trop marrant, et si j'avais vu un Pikachu à côté, j'aurais tapé une barre, clairement j'aurais tapé une barre, Snowball, Tarsal, Picasso en reverse, oh, Gardevoir en holo, c'est BG. Suivant, gardien ascendant. Encore une fois, ça c'est des packs, les gars. En fait, je sais qu'il n'y a pas de Pikachu. Parce que si je les connais pas trop, ces collections-là, c'est qu'il n'y a pas de Pikachu et je m'y suis jamais intéressé. Donc là, là on va pas avoir du Pika, mais voilà, c'est du bonus, hein, de toute façon. Hein. C'est là. 1, 2, 3, 4. Hop. Ok, énergie haut. Colline, je sais pas quoi. Chelours. Mélancolux. Galvaran. Chlorobule. Le Vénard, encore une fois. Scrutella. Goupix Alola. Simularbe en reverse. Barbichat en rare. Ok. Dégueulasse à crever, ce pack. Lumière interdite. Oh, mais les packs, ils sont...
ils sont démolis pour entrer dans la Pokéball. C'était avec. Il y a eu du forcing. Hein. Pas moi que t'as un Dracaufeu là-dedans et qui est plié, t'as le seum. Je sais même pas si on peut avoir du Dracaufeu dans ces collections-là. Le code. 1, 2, 3, 4. Bah, le XY évolution, oui. On peut en avoir un. Hop. Mais le reste, je sais pas. Ça, c'est un Pokémon légendaire, ça. Crefadé. Bidi. Hop, Rocabo. Vénalgue. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Oh, il est mimi. Oh, t'es mimi, tiens. Mon moumou. Ok, mademoiselle. Oh. Rexilius. Bah, j'aime bien. Je le connais pas, je l'ai déjà vu, hein, mais je le connais pas. Voilà, j'ai jamais joué avec, etc. Mais je le connais parce que, bah, dinosaure. Hein. Moi, je suis fan de dinosaures. Tu vois, à côté de Pokémon, je suis un putain de fan de dinosaures. Hein, depuis que je suis tout petit. Vivement Jurassic World 3, les gars. Moi, je vous le dis. Putain, c'est Logia dessus. Tonnerre perdu. Par contre, ça me chamboule. Hein. La collection, elle s'appelle Tonnerre perdu. Il n'y a pas de Pikachu. Tonnerre perdu, les gars. Tonnerre. Hop, le code, les gars. 1, 2, 3, 4. Comme d'hab. Voilà, on connaît. Et c'est bardi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. J'ai l'impression que la carte derrière, elle est un peu foncée. Ok. Armulis. Je m'en rappelle de ce Pokémon. Il est dégueulasse. Même visuellement, il est dégueulasse. Les Magma. Au taquin. Et Lionceau de nouveau. Tout à fait. Cabriolène. Oh! Mais c'est pas possible, les gars. C'est les billets Florizarre. Je pense que c'est les Pokémon qui me suivent constamment. Constamment! Célébi et Florizarre. Le nombre de Célébi que je pack? Wesh, il est trop stylé! Yes, ça! Il est derrière un Papinox! Youhou! Célébi avec la rareté de la dernière fois, on l'a eu là. Comment il s'appelait le Pokémon qu'on a eu? Je sais plus. Bref. Si vous avez suivi les vidéos, de toute façon, vous savez de quoi je parle. Trop stylé, hein! Franchement, il est insane. Il est... Visuellement, il est trop beau. Tu vois, ça, c'est les cartes que je préfère. Hein. Les cartes dans le rectangle et un peu plus, tu vois. Parce que je trouve qu'avec celle-là. Ils sont partis en couille. Ça ressemble plus à une carte Pokémon. Une carte Pokémon, pour moi, ça ressemble plus à ça, tu vois. Et là, tu vois qu'elle est un peu spéciale. Elle est vraiment, vraiment stylée, hein. Une note de 1 à 10, je mets un solide 9. J'ai les ongles dégueulasses, les gars, je suis désolé. C'est l'heure pour ouvrir ce booster qui est tout démonté. Mais dedans, on peut avoir du lourd. Et cette fois-ci, je sais qu'il faut pas faire le 1, 2, 3, 4. Il faut faire, du coup, en y réfléchissant, je sais même pas, en fait. Donc, ouais, j'avoue que je sais pas. Je vais aller jusqu'à la reverse et après... Oh là là, les visuels à l'ancienne! Je vais vraiment devoir acheter du set de base. Hein. Déjà, le code. Un jour, j'en achèterai un. Bon, on va le faire comme ça. Ponyta, Nidoran, Altaria. Oh, la cam! Topiqueur. Titard. Oh! Mewtwo en reverse, les gars. J'ai Mewtwo en reverse! Quel bail! J'en attendais rien. Quel bail, j'ai mis où tout, les gars. Et derrière encore, on peut avoir du lourd, hein. Dresseur. Ok, Nidorino. Énergie, et là, je pense que c'est bon. Bon, éclaté au sol. J'ai mis où tout en reverse, les gars. Wesh. Mais attends, mais là, c'est... Mais je suis garni de chez garni, ouais. C'est quoi ça, frère? Je suis trop content. Mewtwo. Et en plus, c'est vraiment le visuel des cartes que je connaissais, moi, l'ancienne. Hein. Tard l'époque. Oh, Mewtwo en reverse, les gars. Yes! Yes, yes, yes. Ok, bon, bah, j'ai terminé pour moi ce que j'ai acheté. Place au truc du petit viewer. Dédicace à toi, frérot, tu te reconnaîtras, mais t'es vraiment le boss. Donc, un deck XY évolution avec, du coup, Pikachu comme ça. Un nouveau à la collection parce que je l'avais pas en plus. Donc c'est parfait. J'en ai pas mal hein, que vous avez jamais vu en vidéo. Donc vous savez pas exactement ma collection précise, tu vois. Et du coup, le Pikachu. Pff, vraiment, illustration à l'ancienne. Mais là, version holographique, il est incroyable. Hein. 2016, hein, ce Pikachu-là. Hein. Ça commence à faire, mine de rien, 5 ans. Hein. Tu vois, imagine dans 10 ans. Il sera introuvable, frère. Vraiment. Un nouveau à la collection, les amis. Franchement, des Pikachu, j'ai pas envie de vous mettre l'eau à la bouche, mais je dois en avoir une... Une trentaine différents. Peut-être même un peu plus. Hop, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors là, c'est de la full découverte. Bon, je vais aller un peu rapide parce que bah tu connais, regarde. Voilà, Magneton. Ok, Magnéti. Dardanian, Aspico. Ah. Infirmière Joël. Ah, je pense... Mais c'est un Pikachu, là. Il y a un Pikachu, je suis mort. Ok, Professeur Chen. Electek, Oconfort, Voltorb. Oh bah tiens, un Pika. Je vais mettre de côté, hein, tu connais. Hein. Oh, un Raichu. Ok.
Bah pour le moment, franchement, super cadeau, hein. Bon, bien évidemment, les decks beaucoup d'énergie. Oh, quand un Raichu. Dommage que c'est qu'il n'y a pas d'holo. Oh, bah tiens, encore un Pika. De côté, même les doublons, moi, je les garde. Je garde tous les Pika. Mon gosse, quand j'aurai un gosse, déjà. Si un jour j'en ai un. Quand je vais lui léguer toutes mes cartes Pokémon, il va débloquer. Il va dire mon père, c'était vraiment un timbré avec les Pikachu. Ok, bon, bah ça fait un sacré paquet de cartes, hein. Ensuite, on a ça. Là, encore découverte, les gars. Je sais pas ce qu'on peut trouver dedans. Un Pikachu Catcher, gros. Je l'avais déjà vu, le visuel du Pikachu Catcher. Puisque, en fait, vous êtes énormément à m'envoyer, les gars, vos photos de votre collection de Pikachu. Vous voulez me les envoyer, etc. Du coup, ça me fait délirer. Et un abonné m'avait envoyé, justement, le visuel de ce Pikachu-là. Que je trouve hyper drôle. On va commencer par celui-là, le Pikachu Catcher, je vais le retourner après, les amis. Hop. Donc je me demande si c'est un deck comme on vient d'ouvrir ou si c'est autre chose, je sais pas. Donc déjà, Suicune, oh, il est magnifique. En holo comme ça, je vais la mettre de côté. Et ensuite, un deck, voilà. Ok, Poissirène, Poisson. C'est Poisson Roi. Ah non, c'est même pas Poisson Roi, c'est Poisson Roi. Depuis que je suis tout petit, je pensais que c'était Poisson Roi. Ok, Grenousse, c'est un bac haut du coup, hein. C'est satisfaisant d'ouvrir les decks, en vrai. Ah bah tiens, un nouveau Suicune. Ok, énergie. Ok. Oh, bah tiens, un Evoli qui s'est incrusté dedans. Putain, la carte... Bah, wesh. La matière de la carte est différente. Trop bizarre. Ok, bon, bah c'était un petit deck à la cool, hein. Le Suicune, il est bien stylé. Et ce qui nous intéresse, du coup, c'est celui-là. Est-ce que vous êtes prêts pour voir le Pikachu Catcher? Pikachu Catcher 3, 2, 1... C'est parti. Pikachu Catcher, ils sont partis en couille. Wesh, c'est quoi ça? Trop bien. Hop, je le prends direct, je le mets de côté. Et la suite, du coup, ça, Dynavolt, ok. C'est Bibon. Ok. Merde, putain, c'était mal cadré, je suis désolé. Potion. Ok. Ah bah tiens, un nouveau Pikachu Catcher, mais qui brille pas cette fois-ci. Je le mets de côté. Elexprint, Zébibon, Dynavolt, Nirondelle. Et voilà, très bien. Bon, passe mytho les decks. Il me semble que de toute façon, c'est pour commencer à jouer, avoir des cartes, des énergies, etc. pour jouer vraiment au jeu. Niveau collection, voilà, les decks, c'est pas ce qu'il y a le plus ouf, hein. Mais j'ai eu le Pikachu Catcher. Bah merci, merci beaucoup, frérot, hein. Franchement, ça fait extrêmement plaisir, hein. Grâce à toi, j'ai eu quand même deux Pikachu que j'avais pas dans ma collection. 4 Pikachu dans la vidéo, hein. 4 putains de Pikachu, les gars. Bon, bah place aux petites boîtes. J'en ai jamais ouvert. Alors là, c'est de la découverte. Attention, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Ok, un jeton. Une carte. Et des paquets. Il y en a combien? Ok, il y a deux paquets. Ombre ardente. Ok, là, on peut choper un Dracaufeu arc-en-ciel là-dedans. Et épée et bouclier. Vas-y, je vais tous les ouvrir et comme ça, j'aurai les boosters à côté. Donc, dans celui-là, épée et bouclier, ombre ardente. Ok, c'est toujours pareil. Ça nous fait du booster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters. Oh. Putain, mais sacré cadeau. Hein. En vrai, je pensais pas que c'était tout ça à l'intérieur des petites boîtes. Vas-y, je vais ouvrir au feeling, les gars. Les cartes qui viennent, enfin, les boosters qui viennent, je les ouvre comme ça. Oh! Mort. Épée bouclier. Première carte. Pikachu, les gars. Mais actuellement, c'est l'une des meilleures ouvertures Pikachu qu'on ait fait, du coup. Hein. Trop content. Il est insane. Ok. Bah, trop bien. J'ai un nouveau Pikachu, les gars, dans la collection, encore une fois. Hop, je vais mettre là. Hop, le code. 1, 2, 3, 4. Ok. Énergie. Une canne. Travis. Lapiro, Miaouz de Galar, Dubar, Gripat, Moumouton, on dirait un bouffe-tout, pour ceux qui ont la référence. Ah bah tiens, Moumouton. Et derrière, on a Poltergeist, un Pokémon T, gros. C'est quoi ça? C'est une théière, frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, ils sont partis en couille des fois, vraiment. Mais j'ai Pikachu. Brrr. On n'a pas un nouveau Pikachu? Non, celui-là, on peut avoir le Dracaufeu, les gars, hein. Je dis ça, je dis rien. Ça serait un truc de malade. Qu'on m'offre un cadeau et que dedans, je chope un Dracaufeu. Oh! Mais quoi? Mais le hasard de fou! Non, mais c'est pas possible! Le hasard de malade, les gars! Je suis choqué!
Je suis choqué. C'est pas une blague, je suis choqué, les gars, vraiment. Ok, Ortid. Ok. Bah, tiens, le Pikachu. Bon, en vrai, je l'ai déjà dans ma collection, mais... Ok. Bombinou. Magikarp. Feuilloutant en reverse. Et Skyno. Le nom de Pikachu qu'on a eu. On va refaire le récap des Pikachu au fin de vidéo, les gars, mais putain, c'est incroyable. Hein. Wesh, le nombre de Pikachu que j'ai, il en est trop, les gars, j'ai une pile. Allez, suivant. C'est quoi, là? Ombre ardent de nouveau, hein. Le Dracaufeu. Le Dracaufeu ou rien, les gars. C'est trop bien, les petites boîtes comme ça. Code. Ok. C'était quand même improbable que la première illustration, c'était Pikachu, hein. C'est un sacré hasard, hein, Coxie. Chenipan, il est tout mimi. Ah bah tiens, le petit frérot là. Château de sable. Venipat. Farfuré. Ah bah tiens. J'ai l'impression à chaque fois que je parle d'un Pokémon, tu sais, genre. Ils m'entendent. C'est pas possible. Dimoré. Bon, bah non, ils m'entendent pas parce que j'ai parlé de Dracaufeu. Et je l'ai pas eu. C'est insolent. Si j'ai un Dracaufeu en 3 packs, tu sais, c'est insolent. Ok, épée bouclier, classique. Donc là. Je connais pas bien la collection, donc je sais plus ce qu'il y a dedans. Hop, donc là c'est découverte, freestyle les gars. Énergie. Ok, Badaboin. Ok. Là, il est stylé l'énergie là. Frissoni. Wistempo. Coquillas. Misdibule. Bonita de Galar. Oh, Loclas en reverse les gars. Loclas en reverse et... Oh, Lézargus. Ok, là c'était vraiment, j'ai l'impression que c'était Noël les gars. Hop, le code les amis. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est parti. Énergie, Motisma, corde sortie, Chris, Spododo, Bacabou, Venipat, Hippotramp. À l'ancienne mon gars. Ok. Coxyclac, éclaté au sol. Éclaté au sol. Suivant. De nouveau, épée bouclier. Ça vend pas du rêve, épée bouclier, pour le moment. Bon, je dis ça, j'ai eu mon pika. Énergie. Mégavolt. Linéon de Galar. Ok. Rhinocorn. Minisange. Krabi. Wistempo. Thiboudet. Lézargus en reverse. Loclas. Éclaté. Ombre ardente, vas-y, c'est mon dernier et du coup je vais continuer l'épée bouclier. Je vais garder l'ombre ardente pour la fin. Je sens un truc, je sais pas pourquoi. Je sens un feeling. Le petit code, tu connais. 1, 2, 3, 4. Allez. Énergie. Malamandre. Trio piqueur. Dame du centre Pokémon. Grain dur. Poids sirène. Roselia. Statitique. Du Naja, ok. Rhinocorn en reverse. Oh! Sinistrae, wesh, la plus éclatée, mais vas-y, je prends. Mais c'est éclaté comme Pokémon. À quel moment ils se disent, on va mettre ce Pokémon en V? Regarde, même le focus, il veut pas. Il arrive pas à le lire tellement le Pokémon est dégueu. Il préfère garder les Pikachu derrière. Il est explosé, on va... Je suis honnête, hein. Il est explosé. Même la cam, elle veut pas, frère. Je l'ai toujours dit, toutes les rares et les V, etc. Je les mets sous top loader. On sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui fait collection de Sinistrae, hein. Qui fait collection de Sinistrae, là. Ok, le dernier, c'est parti. Allez, portez-moi chance. Les pouces en l'air. Les abonnements, les commentaires. C'est le moment de marquer l'histoire. Rappelons-le. C'est un cadeau d'un abonné. Donc le meilleur cadeau qui soit possible s'il y a un Dracaufeu. Clairement, on y croit. Ou au moins un Pikachu Reverse. Il y a Pikachu en ombre ardente? Ouais, il y a Pikachu vu qu'on l'a eu. Énergie. Vulnassurance. Cocoyo. Rubombelle. Farfuré. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon. Oh, le petit salamèche. Cravagar. Miaous. Nounourson. Flamajou. Abominable. Pas de Dracaufeu les gars. Pas de Dracaufeu. Mais ce fut une très très bonne vidéo au niveau des Pikachu. On va commencer par celui-là. Voilà, petit Pikachu set de base hein, au niveau du visuel. Celui-là, petit Pikachu bien stylé. Celui-là de nouveau. Pikachu catcher non brillant. Voilà. Celui-là, que battoir. Le Pikachu, catcheur brillant, incroyable.
ce Pikachu là, insane aussi. Donc tu vois, regarde, je sais pas si on voit, mais il écrit, il y a un petit, une petite étoile avec écrit promo. C'est des Pikachu qu'on peut avoir uniquement en promo du coup. Donc c'est des Pikachu rares en soi si le pack, le pack de promo est rare, tu vois, ou se fait plus, ou tu vois. Ce Pikachu là. Et puis celui-là. Voilà, celui-là mon préféré, hein, clairement. Et encore une fois, le petit badge promo en bas à gauche. Super content. Je pouvais pas être plus content, là. Bah, les petits potes, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Avec la Pokéball. Si c'est le cas, on n'oublie pas quoi, les petits pouces, les abonnements, les commentaires. Vous êtes les boss. Merci pour tout comme d'hab, les amis. On se dit à la prochaine. Ciao, les petits potes.